Bougondo Gbagbo. Vous êtes fidèle au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo vous est fidèle. Il m'a demandé de vous dire qu'il sera bientôt avec nous. Que le ministre Charles Blé Goudé sera bientôt avec nous. Et s'ils sont bientôt avec nous, Simone Gbagbo, Assouadou, Lida, tous nos amis en prison seront avec nous. Tous nos amis contraints à l'exil seront avec nous. Vous nous avez demandé dans un premier temps de nous unir, d'aller vers les autres, de ne pas être suffisant. Et nous avons pris notre bâton pour aller vers les autres. Les autres aussi sont venus vers nous. Dites merci à tous ceux qui sont là. Dites-leur, dites merci. 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 Nous avions des différences, mais nous avons fait des différences, nos convergences. Nous avions des problèmes de positionnement, nous avions des ambitions. Mais pour la Côte d'Ivoire, nous avons tué nos ambitions, nous avons tué nos positionnements. Parce que si la Côte d'Ivoire n'existe pas, nous n'existons pas. Dans un pays civilisé, les déclarations pèsent. Parce qu'avant de se battre, on dit pourquoi on se bat. Et on a fait des déclarations pour dire pourquoi on se bat. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'action. Le temps des analyses est passé. Nous sommes dans l'action. Non, camarades, je ne serai jamais Laurent Gbagbo. Vous me faites l'honneur et l'amitié de m'appeler son frère jumeau, mais je ne serai jamais Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est exceptionnel. Mais on fait tous pour lui ressembler un peu. On fait tous pour lui ressembler un peu. Et vous le connaissez, les convictions, l'action et la passion de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, vous êtes tous de Laurent Gbagbo pour sauver la Côte d'Ivoire. Vous êtes tous de Laurent Gbagbo, entrez dans les foyers, entrez dans les domiciles pour sauver la Côte d'Ivoire. Parce que la constitution est entre vous, la constitution est dans vous, la constitution est parmi vous, la constitution est vous, et vous devez défendre la constitution. La constitution, ce n'est pas une affaire de mosquée, ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas une affaire de temple. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire doit rassembler. Aujourd'hui, l'heure est à l'action. Déjà, Koulibaly vous a donné une indication. Il vous a donné une indication. Les indications seront là. Mais moi, je compte sur vous. Soyez en alerte. Et je vous connais. On n'a pas besoin de vous parler pour que vous agissiez. Et vous êtes déjà en action. Vous êtes déjà en action. Aujourd'hui, vous devez prendre l'Abidjan et l'intérieur bouillonne. L'intérieur nous attend. Des mots d'ordre précis seront donnés pour l'intérieur. Quelque chose a commencé qui ne doit pas s'arrêter. Nous ne voulons pas de la construction, de la discorde, de la fracture sociale. Laurent Gbagbo a voulu la réconciliation dans l'honneur, dans la dignité, dans le respect des différences. Monsieur Ouattara veut la réconciliation dans la peur, dans la terreur et dans la soumission. Nous ne voulons pas, nous disons non. Cette constitution ne doit pas passer. Et je compte sur vous, je sais qu'elle ne passera pas. Parce que quand je pourrais mobiliser, Abidjan est mobilisé. Quand je pourrais mobiliser, la Côte d'Ivoire est mobilisée. Et je sais que vous saurez dire non. Je compte sur vous. Je compte sur votre mobilisation. La Constitution nous rassemble. La Constitution, c'est nous, c'est notre sang. Et nous devons nous battre pour notre sang. Pourquoi ne nous retirons pas notre sang? Et c'est parce que je sais que vous êtes là que je prends la parole. Nous avons commencé quelque chose avec la marche. Ils disent que nous sommes minoritaires, ils ont peur qu'on ne marche. Et je suis surpris que certains parlent d'une centaine de marcheurs, c'est normal. Si on ne veut pas, on ne veut pas que les marcheurs se regroupent, comment ils peuvent être nombreux? Vous savez ceux qui étaient au plateau, ceux qui étaient venus pour marcher ce jour-là? Et on donne un nombre comme ça. Non, soyons sérieux. Nous ne pouvons pas appeler en Côte d'Ivoire, dans cette Côte d'Ivoire que nous connaissons, et nous dire que nous ne serons pas suivis. Car Laurent Gbagbo n'est jamais seul. Laurent Gbagbo n'est jamais seul et Laurent Gbagbo ne sera jamais seul. Nous avons commencé quelque chose avec la marche, nous allons continuer. Nous devons monter en puissance. Nous devons monter en puissance pour pouvoir justement faire retirer ce projet-là. Camarades de Yopougon, nous sommes venus avec des camarades, des amis, des personnalités qui aiment la Côte d'Ivoire.
Moi, je considère que je les reçois parce que vous êtes là. Et quand on reçoit, on ne parle pas beaucoup. Je vous remercie.